Nous sommes de retour. Alors, j'ai fait quelques petits trucs, quelques petites emplettes. Alors, j'ai vendu pas mal d'armes en double. Et après, enfin, les armes en double qui étaient à plus de 100 $. Après, j'ai démantelé. Et c'est vrai que j'avais un peu oublié le fait qu'on peut avoir des mods quand on démantèle. Donc, j'aurais dû peut-être démanteler plus d'armes que les vendre. Mais bon, j'étais arrivé à 4000 et quelques. Et j'ai acheté pas mal de munitions. Donc voilà, on est plutôt ok. Honnêtement, on devrait être bon pendant un petit moment pour les munitions. Donc ça, c'est bien. Après, j'ai fait quelques modifications aux armures. Genre là, j'ai rajouté une plaque. Là aussi. Et après, je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Voilà, j'ai essayé d'optimiser vite fait un peu ce qu'on avait. Genre par exemple là, on a le canon. J'avais rajouté le canon. Et là, j'ai mis précision 7. J'ai mis la lampe SWAT. Donc voilà, elle a encore plus de précision avec le lance de la mort. Voilà. Et après, j'étais en train de faire des tests. En tuant des gens. J'étais en train de faire des tests. Donc on a ces trucs-là que j'ai toujours pas utilisé, que j'ai toujours pas utilisé. Alors là, on a un lance-flamme niveau 21 qui a l'air vraiment bien. Et elle va surtout compter en fait sur le lance-flamme. Ok, le lance-roquette. Bon, maintenant on a, je sais même plus si on l'a. Si on a le critique, alors ça va être utile maintenant. On va dire péter plus de choses parce qu'à chaque fois ça va faire des coups critiques. Mais on va dire qu'elle est limitée. Donc on peut changer les type de dégâts. Et j'étais en train de faire des tests. Alors, on avait débloqué ça aussi. Donc, on a liaison rasoir et liaison toxique. Donc, ça rajoute de l'hémorragie. Donc, ce mode ajoute des éclats d'obus à chaque tir et garantit que les cibles souffrent une forte hémorragie en plus de tous les autres dégâts subis. Et ça rajoute 8 de dégâts. Après, vous avez ça. Donc, cette liaison est fixée sous le canon, imbibe les munitions de cocktail substance toxique. L'infection des tissus de la cible est pratiquement garantie. 75% de chance d'appliquer empoisonnement. Et on a plus 8 de dégâts. Après, on a aussi des choses comme ça, genre le feu. Donc, 15% de chance d'appliquer brûlure. Et ça rajoute du 30% de dégâts sur humains, animaux, mutants. Et bien sûr, ça réduit contre les robots et véhicules. Et en plus, par contre, ça réduit aussi les dégâts à distance. Donc ça aussi, faut prendre ça en compte. Mais c'est des dégâts de feu, donc pénétration 99. Donc ça passe à travers tout. Donc ouais, on a des trucs. Et aussi, on a, de nous-mêmes, qu'on a trouvé. On a ça, donc grève des micro-fusées hautement explosifs aux munitions standard. Donc ça fait 15% de chance d'appliquer armure endommagée. Armure endommagée, ça va réduire, je crois, par 2 l'armure, je crois. Donc c'est vraiment bien. Et après, nous avons ça, cette liaison de transfert du gaz ionisé de température extrême à chaque munition à mesure que vous faites feu. 15% de chance d'appliquer électrocution. Donc là, ça les convertit en fait en énergie. Et c'est bien contre les robots et véhicules, évidemment, parce que c'est de l'énergie, et après c'est moins bien contre le reste. Donc, vous pouvez voir que là on a des dégâts de feu, parce que c'est en rouge, ça a des dégâts de feu, et là on peut mettre des dégâts d'énergie. Et ça va toujours utiliser en fait du carburant pour le lance-flammes. Même si on met ça, ça devient des dégâts d'explosion, du coup. Donc, on peut faire des trucs sympas. Bon, j'ai sauvegardé, hein, déjà, donc on va faire ça, par exemple, je vais vous montrer. Donc maintenant, vous pouvez voir, bon, déjà, il a des effets un peu spéciaux, le lance-flamme. Mais maintenant, vous pouvez voir que vous allez avoir, en fait, donc des dégâts explosifs, mais on garde toujours les dégâts contre humains, animaux, mutants, parce qu'à la base, c'est un lance-flamme. Il utilise toujours du combustible bleu pour lance-flammes. Et vous voyez que maintenant il a 75% de chance d'appliquer engouffré. Donc c'est le feu qui aussi réduit la visibilité, donc de 15%. En pénétration, il a 199 maintenant en tout, parce qu'il a 100 plus 99. Et maintenant il a aussi 15% de chance d'appliquer armure endommagée. Et les dégâts sont augmentés. Donc pour vous montrer un peu. Oui, je sais. J'ai sauvegardé, hein, vous inquiétez pas. J'ai passé genre 10 minutes à faire des tests comme ça. Et honnêtement, on peut faire des trucs assez pétés.
Alors, le truc, c'est qu'on va pas utiliser, genre par exemple, l'explosion, les micro-missiles là qu'on rajoute au feu en fait. On va pas l'utiliser parce que c'est honnêtement extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Donc, on va pas le faire. Je vais vous montrer ça. On peut même le charger hein, parce que ça marche toujours, hein, ça, la surcharge. Par contre, maintenant on a 5 PA, ça coûte 5 PA. On peut toujours charger ça. Et après, on peut brûler tout ça. Et ça va faire, vous allez voir que ça fait des dégâts de feu. Et vous voyez que l'icône aussi a changé. Donc ça, c'est explosion maintenant. Alors, c'est plus des dégâts de feu. Ouais. C'est des dégâts d'explosion. Mais dégâts d'explosion, ça fait toujours plus 30% de dégâts sur pareil que sur le lance-flamme, en fait. Que ce que ça disait sur les stats du lance-flamme. Hop. Voilà, et vous voyez que ça fait explosion, le feu a changé de couleur. Là par exemple, maintenant il a le debuff de ça. On va tirer sur un truc qui a un peu plus de vie, genre ça. Voilà, et vous voyez qu'on peut toujours mettre le feu en fait. Vous voyez qu'il a, il a le debuff du feu. Voilà. C'est intéressant. Alors, on peut faire ça. On peut mettre de l'énergie et du coup vous allez perdre le fait que ce soit des dégâts de feu et ça va inverser en fait. Je vais vous montrer ça. Là on commence à taper en fait dans des trucs super haut niveau, j'ai envie de dire, qui sont vraiment bien haut niveau et qui sont super rares aussi. Donc genre par exemple on va transformer ça en énergie. Donc maintenant on a un lance-flamme énergétique qui utilise du combustible pour flamme. Mais qui a engouffré et qui a 15% d'électrocution. Et après les dégâts. Je vais voir. Électrocution, ça fait extrêmement mal. Ah oui, mais là je vais pas voir les pourcentages. Non, il faut que je tape quelqu'un. Ouais, on a toujours 30%. Et là c'est énergie. Ça c'est le symbole à énergie. Et on a plus 30%. Parce que si je change d'arme, vous voyez que... Hop, là on perd le bonus. On perd le bonus. Et la flamme a changé aussi. Ah oui, il faut le recharger. Ouais, il me faut des PA. Voilà, et vous avez vu que par exemple... Lucia, elle a eu le feu et l'électrocution. Moins 10% de constitution par tour. Voilà. Et moins 2 de points d'action. Donc vraiment extrêmement puissant de pouvoir faire un lance-flamme avec ça. On recharge. Donc vous voyez, donc, ces deux trucs en fait, vraiment, vraiment, vraiment très intéressants. J'aime beaucoup. Alors après, est-ce que c'est mieux de le mettre sur des munitions, genre sur des mitraillettes et tout ça? Est-ce que c'est mieux sur un lance-flamme? Honnêtement, sur le lance-flamme, vu que ça fait des AOE... Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc là, on peut commencer à faire du truc un peu spécial. Alors après, pour ce qui est de la fabrication, donc on a celui-là, où il faut 1700 ferrailles. Et du coup, alors je l'ai fait tout à l'heure, je l'ai mis. Donc ce qui va se passer, en fait, c'est que ça va faire... vous avez 15% de fer brûlure et 75% de fer entravé, là. Alors du coup, on pourrait mettre les deux en même temps. Je crois avec le lance-flamme du coup. Après j'ai vu que les dégâts contre humains, animaux, mutants passaient à 60% parce que du coup on a la base des dégâts du lance-flamme plus la liaison incendiaire en fait qui se cumule, donc on a 60%. Donc c'est intéressant. C'est intéressant en fait d'avoir la liaison incendiaire. C'est assez intéressant. Mais c'est 1700 de ferraille. Après, on a 375, donc on a rasoir et toxique. J'ai envie de dire que c'est peut-être plus intéressant pour le moment d'utiliser ces trucs-là, parce qu'on n'a pas vraiment genre un lance-flamme de fin de jeu. Je ne sais même pas quel niveau ils sont, les armes de fin de jeu. Donc c'est peut-être plus intéressant de faire ça. Alors après, c'est de l'hémorragie ou du toxique. Alors dans un sens, je pense que l'hémorragie est plus intéressante. Le saignement est plus intéressant. Après, avoir du feu qui empoisonne, c'est assez sympathique, l'idée. Je trouve l'idée assez sympathique.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Donc on aurait du feu qui empoisonne ou du feu qui fait du saignement. C'est spécial, hein. Genre là, ça reste toujours du feu, ça a augmenté les dégâts parce que c'est plus 8. Et après là, ah, il faut modification d'armes, 10. Hop. Voilà. Après, saignement, c'est peut-être mieux quand même. Hein. Parce qu'après, c'est 75% d'empoisonnement. Donc, honnêtement, ça va être quasiment tout le temps. Et là, c'est 25% d'hémorragie. Et après, le reste, c'est 15. Donc, ouais. On peut tester, hein, de toute façon, on peut tester. Donc, là, c'est le mode ajoute des éclats d'obus à chaque tir. Donc, en fait, c'est des éclats d'obus dans le feu. C'est assez intéressant. Et on peut mettre ça si on veut. Donc ouais. Donc là, on a un lance-flamme qui fait du saignement aussi. What in the world are you doing? That's an innocent bystander you're aiming. Alors je sais pas. Alors je pense quand même que le saignement est plus puissant. Après ça expliquerait pourquoi c'est du 75%. Non, pardon, c'est du arme niveau 10 pour le mettre. Donc ça explique pourquoi, hein. On peut pas le mettre avec tout le monde. Mais ouais, je pense que c'est le plus intéressant. Après, l'empoisonnement est bien, mais l'empoisonnement va pas marcher sur tout le monde. Après, est-ce que le saignement va pas marcher sur tout le monde non plus? Je crois que dans un sens, en fait, le saignement et l'empoisonnement, c'est la même chose. Sur les cibles. Parce que ça va marcher sur les mutants, je pense. Peut-être l'empoisonnement, peut-être pas. Enfin, moi, dans ma tête, je dirais non, mais en fait, peut-être que si. Le saignement aussi. Sur les humains, pareil, les deux vont marcher. Sur les animaux, les deux vont marcher. Par contre, sur les robots, bah, il n'y a pas de saignement, il n'y a pas d'empoisonnement. Donc du coup, au final, je crois que les deux, bah, c'est du kiff-kiff, quoi. C'est du pareil. Pour l'application du debuff, je veux dire. 1100, on vient de faire une critique à 1100. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Faut attendre. Parce que là, elle deviendrait extrêmement forte en fait, rien qu'au lance-flamme. Et je pense qu'on avait besoin de ça. Et puis après, j'ai envie de dire, si jamais. Bah, les mods, bon, c'est 375 de ferraille, hein, c'est pas de la merde, hein, on va pas en faire 50 000 non plus. Mais on pourrait les mettre à différentes armes. Je pense que ce serait une bonne idée. Engouffrer saignement. Par contre, la flamme, j'ai l'impression qu'on la voit quasiment pas. Ah ouais, ça tire en fait. On voit plus le feu. On voit plus le feu, ça fait comme un tir. Ah, c'est moins beau, j'ai envie de dire. C'est moins stylé. J'avoue que c'est moins stylé. Parce que ça faisait du feu bleu. Si vous mettez le truc à énergie. Si vous mettez genre le napalm en plus, ça fait du feu super rouge et tout, c'est stylé. Si vous mettez l'explosion, ça fait du feu un peu genre jaunâtre et tout, c'est sympa. J'ai envie de dire que c'est classe. J'ai envie de dire que c'est classe. On va tester le poison. Donc poison. Ouais, ça serait du feu toxique. Moi, je trouve ça intéressant. Et vous avez vu, elle a 50, 51 d'armure, elle est... Genre là, les mecs, ils peuvent rien faire, quoi, contre elle. Ils peuvent absolument rien. Genre, si elle veut, elle peut soloter toute la zone. À elle, toute seule.
Et le fait d'avoir deux dots avec un tir, je trouve ça assez intéressant, quoi. Pas mal. C'est pas mal. Les dégâts sont assez fous. Et poison. J'avoue que les dégâts sont assez fous là. Est-ce qu'elle tire deux? Elle utilise deux fois? Non, elle a fait qu'une fois. Bon, rien. Après le feu poison est pas très joli, hein, j'avoue c'est pas très joli. Mais bon. J'avoue que c'est pas joli, hein. Je préfère genre le feu ou napalm ou explosif ou des trucs comme ça. J'avoue que c'est pas super classe. Faut voir combien de dégâts tu te prends la chaîne. Putain, qu'est-ce qu'elle fait mal? Bonus de sang plus moins 50%. Sortir quelqu'un antidote ou par un docteur, dis-toi. Ça dure longtemps en plus. Ah, je suis pas. Ah, tiens, je vais être honnête, je suis pas super convaincu par le poison. Bah merde alors. J'avoue que je suis pas super convaincu. Mais. Enfin, c'est puissant, hein. Et après, faire du napalm, bah je peux vous le montrer en fait. 1700 ferrailles, c'est pas le truc qu'on va faire tout le temps, hein, putain. Là, c'est moi qui vais vous le dire. Donc là, les dégâts sont un peu descendus, parce que on a moins 10% de dégâts à distance. Maintenant, vous voyez, c'est 60-60-60. Là, pareil pour les robots et véhicules, par contre. Et ça utilise du combustible. Et vous avez une chance de faire brûlure et engouffrer. Donc ouais, brûlure et engouffrer, normalement, ça fait les deux dots en même temps, si ça proc. Oh, le bruit que ça fait. Ok. Donc là, on a par exemple le clone. Now you wanna work together? Stick with me,
Je peux voir le clone. Qui va prendre cher. Et du coup, il a feu et engouffré. Il est à 550. Oui. Il a pris 200 de dégâts. Ouais. Donc voilà. C'était le test de ça, quoi, pour vous montrer un peu la puissance des mods pour qui changent le type de munitions. Ça va faire 20 minutes que je vous montre ça, ou 15 minutes. Donc voilà. Je voulais vous montrer ça. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce lance-flamme? Mais j'en sais strictement rien. Maintenant. Je pense que le mieux reste quand même les dégâts explosifs. Réduction de l'armure et tout ça. Après, c'est vrai que si vraiment on veut combattre que des robots, à la limite on peut lui mettre du plasma. Du coup ça fera un lance-flamme contre ça. Mais on a déjà des lance-flammes qui font ça, donc c'est pas très intéressant. Je pense honnêtement, moi, lui mettre du toxique. Moi je dirais de lui mettre du toxique. Et après je peux faire un rasoir. Je dirais mettre du toxique, empoisonnement. Ça. Et après, on peut même augmenter PA pour recharger 1, taille du magasin 8. Ça fait beaucoup, ça c'est quoi ça? PA pour recharger moins 1, taille du magasin moins 1. Non, c'est pas intéressant. Taille du magasin plus 2, tout simplement. Fais voir, on peut pas. Attends, fais voir, on peut pas augmenter les chargeurs. C'est quoi ça? Convertit les dégâts en froid. 900. Ça aussi, on a du froid. Humain, animaux et mutants. Alors, gâchette froid dans le dos. 100% chance d'appliquer gel. Alors ça, je pense que ça va pas vraiment marcher. Avec le lance-flamme. Parce que gel et feu en même temps, je sais pas trop. Angle du col plus 30. Portée moins 3 mètres. Comme ça, c'est chiant. Portée 3 mètres en plus. Enfin bref. Non, on cherche quoi déjà? Merde, je cherchais quoi? Ah oui. Taille du chargeur. Donc Marthe est étendue, ça c'est le 2. Ouais, donc on peut crafter des grands en fait. Et après on a celui-là, magasin long. C'est le 1. Ok, ça marche. Ok, cool. Donc on pourrait lui mettre du poison avec un angle de cône à augmenter. Et pourquoi j'augmente l'angle du cône? Parce que pourquoi pas. Et on met taille du magasin 4. Comme ça elle n'a pas besoin de trop recharger. Parce que c'est 5 PA maintenant pour tirer. Donc ouais, on a du feu vert. Pas mal. Et un truc qu'on pourrait faire aussi. Alors sous le canon. Bon là j'ai mis de la précision par exemple. Mais du coup on pourrait prendre des armes et leur mettre du poison ou du saignement, des trucs comme ça. Genre voilà, une arme qui si on tire et ça saigne quoi. Mais bon, encore une fois, là on avait plein de. On avait plein de ferrailles de côté, on avait 4000, là j'en ai plus que 3000, je suis parti à 3000. Donc, faut faire attention. Mais voilà.
Et là, on peut plus revenir en arrière, quoi. Une fois qu'on a mis ça, on peut plus revenir en arrière. Donc, ouais. Si on n'aime plus le poison, bah, y a rien à faire. Je crois. C'est tout ce que je voulais dire. Donc on va partir. Donc lance-flamme. Donc du flance-flamme avec engouffré et empoisonnement. Les deux 75%, c'est que du. C'est très bon dégâts. 80-113, très très haut. Avec ça, ça fait encore plus mal. C'est 30% de feu en plus, ça reste toujours des dégâts de feu, donc ça va toujours faire mal. Ah oui, ça aussi, c'est vrai que c'est intéressant, parce que là, c'est 30% feu, énergie et froid. Donc, du coup, ça va pas marcher si on change le type de dégâts, en théorie. Là, ça reste du feu, donc ça va. Mais, enfin, ça reste du feu, ben, je pense, hein, parce que c'est rouge. Mais voilà. Mais voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oh putain, il y a l'arme qui est toujours en... Ah ouais, d'accord, elle reste comme ça, quoi. Genre ça disparaît pas au bout d'un moment. Du coup, nous on a des trucs à faire. Enfin, j'en sais rien. Journal. La guerre des mondes. Alors, nous devons nous diriger vers la mine d'où provenait l'appel de détresse et localiser Goose. Goose. Et du coup, qui entendait par Martien. Nous avons reçu un appel radio d'un mineur qui a besoin d'aide. N'avait pas bien compris le problème. Il a parlé de Martien. D'accord. D'accord. Ok, merci. Donc ouais, c'est fun hein, ce système de changer les types de munitions et tout, quoi. Là, je pourrais faire par exemple en sorte que le sniper tire des balles qui saignent, qui font saignement. C'est pas mal. En plus, ça augmente les dégâts. Je crois que c'est la mine de Tellure hein, où il faut aller. C'est ça, guerre des mondes. Un mineur. Ouais, l'autre il s'est fait attaquer par Bigfoot apparemment. Ouais, on peut se balader un peu, genre faire ça par exemple, je sais pas. Et après remonter. Moi je dis pourquoi pas. Pas par là. Après j'avoue que le poison c'est pas le meilleur hein. On aurait dû mettre. Enfin j'en aurais dû. Je suis sûr qu'il y a autre chose d'intéressant, mais. Mais voilà. C'est très très. Pardon? Where did that come from? My analysis of your attire. Kind of you, Morgan. What the fuck? Les radiations elles sont trop fortes là. On est au niveau 2 pourtant, putain. Ah, ah ouais, c'est pas pareil. Évidemment. De l'Est. Oh oui, je vois, ok. Je commence à voir la différence, ça marche.
Donc ouais, c'est comme j'ai dit, c'est pas des trucs qu'on peut facilement crafter et tout. Donc faut faire attention. Faut pas tout balancer pour rien. Genre sur des armes de merde qu'on n'utilisera pas. Enfin, qu'on changera genre. Genre vite. Un abri naturel, un fouiller la zone. Il pourrait toujours être dans les parages, les animaux. Charmant dans la série de héros, les animaux reviennent, puis ces animaux, les tuer pour les manger. Non, surveiller. Tout est revenu, tout le monde a passé une bonne nuit de repos ou sont en pleine forme au réveil. Là, je me balade un peu pour voir si on peut pas tomber sur quelque chose. Et après, comme j'ai dit, on ira faire la mission avec les mecs qui parlent de Martien. Attends, on peut aller en bas là, du sud. Attends, c'est du combien ça? Niveau 2. Attends, t'as un mec. Composite, c'est jambière composite. On n'en a pas besoin. Après, j'ai voulu aussi regarder pour des armures. Mais comme j'ai dit, honnêtement, on a. Avec toutes les armures spéciales qu'on a récupérées. Celles qui sont entourées de doré là. On n'a pas vraiment besoin d'en acheter des nouvelles. Quoi. Alors, fouiller l'endroit. Crochetage, vous trouvez une réserve protégée par un cadenas. Cool. Disco bas, des munitions Kal-45. Munitions de 5,56. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas mal. Ah bah voilà. Ah bah ça fait plaisir, ça paye, ça repaye un peu ce qu'on a perdu. Ce que j'ai utilisé, c'est cool. Attends, je vais d'abord éclairer la map. Ennemi repéré. Merde, j'aurais dû. A chaque fois, je passe la première phrase, mais la première phrase, ils vous disent ce que c'est, quoi. Éviter les drôles, donc c'est des drôles, ok. Les prendre par surprise. Il est temps d'attaquer. C'est des gros drôles. C'est des... L'autre est toujours surchargé là. On va faire passer le camion à droite. Ah oui, c'est vrai qu'elle a plus le tir spécial. Mille, très bien. Ça fait un mur aussi. You don't look so tough.
Grandissement et saignement. Très bien. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait la baisser avant. Là, on a quoi? 1, 2, 3. On va l'écraser le gros là. Vraiment pas mal. Charge ça. 181, on a fumé. Et quand c'est des mutants, j'ai envie de dire qu'on les massacre un peu. Surtout les snipers. Surtout les snipers, les massacres. Les snipers massacrent bien tout ce qui est mutant. Ouais. Mais voilà, là je sais pas si le poison fonctionne. Vu que c'est des mutants, pour moi je dirais non, mais je suis pas complètement sûr. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Je vois rien avec la radio. On attaque? Scorpion! Vous êtes content de vous arrêter à cause d'une horde de picalopes qui traverse la route. Quelques instants plus tard, vous découvrez qu'une centaine qu'il tentait de fuir un scorpion se fraye un chemin à travers les ruines. Truc d'intello, surcharger le capteur du scorpion puis attaquer. Surcharger le capteur auditif du scorpion et essayer de bruit de Kodiak, il s'en remettra rapidement, mais cela vous permet de tirer quelques coups d'avance. Yes. Moi je dis pourquoi pas. Je suis en train de me dire que le poison servait peut-être à rien. Bah, c'est pas grave. De toute façon ça a augmenté les dégâts et tout. Scoritron. Oula, attends, il y a peut-être pas mal de choses en fait. Il y a peut-être pas mal. Ok.
Alors est-ce que on devrait pas changer d'arme? Est-ce qu'on peut te mettre autre chose? Un truc anti robot. Après on pourrait mettre dégâts d'énergie, mais bon, ça sert un peu à rien quoi. Bon, elle va pas être très utile, par exemple, avec le lance-flamme. Mais du coup, on pourrait lui mettre ça, mais bon, on n'a pas vraiment besoin. De toute façon, elle va être là surtout à tanker, donc c'est pas très grave. Toi, on n'a pas un blaster ou un truc comme ça. Ah, c'est niveau 6. On n'a pas vraiment de trucs... Il y a un blaster que je voulais acheter, mais je l'ai pas fait. C'est revolver à énergie. Non, on va se débrouiller avec ce qu'on a, ça va se passer, ça va bien se passer. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Vous inquiétez pas. Alors, lui, je voudrais le pirater. Si je peux. Niveau 10, truc d'intello niveau 10, d'accord. Bien. Ok, nickel. Toi, boostage. On peut les ralentir, normalement oui. Je crois. Hein. C'est du mêlée ça. Très bien. Processeur. Ça n'a pas marché, pas grave. Ce n'est point grave. Oh. C'est vrai qu'on a ça. Ah merde, c'est pas au max. Là c'est au max. Bizarre ça. Là c'est un peu bizarre. Défense. C'est bizarre que je puisse pas tirer la roquette avec le truc. Pourquoi je pourrais pas? Genre, quelle est la raison?
Bien. Faut faire attention parce que les munitions, on en a pas beaucoup. Hein. Et le mieux, ça serait que ce serait Zeus qui les utilise. Ah, très bien. Très bien, très bien, très bien. Okay. Après, je peux pas les écraser. Les petits ici. On peut se mettre là. Ok. Ça fera une protection. De portée, super. Soixante-treize. Ok. Après, ça risque de pas faire beaucoup de dégâts en fait. Donc on va peut-être pas le faire. Alors, cible devient folle, 42%. Non, attends, on peut déjà lui mettre... marquage. On va fumer un coup. J'ai aussi acheté des cigarettes, une dizaine, voire une vingtaine de paquets. Alors, la queue, infuse dégâts de bonus, réduit les dégâts d'acide de 25%, le plaquage, réduit l'armure, peut-être réduire l'armure à la limite. Enfin, le processeur, ça vaut peut-être le coup, devient folle et attaque ses alliés. Je sais pas si ça va être... ouais. Réduit l'armure de la cible de 75%. Ah, on va faire ça. Ah, très bien. Elle a loupé. Ça va, c'est cool, c'est le plaisir. Ça fait plaisir. Bon, j'avoue. Après, c'est vrai que je pourrais faire ça aussi. Ça fait vraiment... ouais, c'est moins 30% les explosifs.
Après, je suis curieux de voir si ça fait vraiment du critique. Ouais, c'est des chiffres rouges, j'avoue, ça marche. Électrocution, très bien. Oh la vache. Merde! Bon après l'autre con de robot là il bouge pas aussi. Putain de con de robot, il bouge pas quoi de dans son coin. Donc c'est sûr que personne va dessus. Hein. Putain de merde quoi. Ça va, on peut... Nickel. Wow. On va tirer, je crois, qu'avec des balles normales, parce que là c'est un peu catastrophique, en fait. Ouais, son arme elle est trop faible, son arme énergie est grave trop faible. Y a qu'un truc, ce serait de mettre l'électrocution en fait. À résister, ouais mais il doit avoir une résistance de fou en fait. On pourrait mettre du fumigène sur nous. Mais... Je pense qu'ils sont trop occupés à défoncer le reste. Processeur. Yes. C'est cool ça. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Un peu plus mal. Ça fait un peu plus mal. J'ai été gelé en fait. Ah, y a le clone qui est en train de prendre méga cher. Ça me fait chier ça.
J'espère que le clone va pas mourir en fait. Je vais voir si on fait ça. M'étonnerait, ouais. M'aurait étonné aussi. Non, refaire. Merde, elle est debout maintenant. Ouais, c'est mieux quand même. C'est un peu mieux. Extinction des feux. Je sais même pas ce que ça fait, ça. Défaillance du système, ça fait quoi ça, défaillance du système? Je vais pas pouvoir le tuer. Je vais pas pouvoir le tuer. C'est bête. Ah, attends, si, j'ai pas mon tir gratuit, moi. C'est insuffisant. Ah, c'est parce que j'ai changé de personnage. Du coup, j'ai perdu mon tir. Je crois que j'ai perdu mon tir. Mon tir est gratuit. Quelle merde. Ah si, c'est grave, mais bon. Je l'ai laissé un peu à découvert, c'était peut-être pas la meilleure des choses. Et il s'occupe tranquillement. Notre mouton, ça va. Allez, on court. Et ouais, prise d'assaut. Bien insuffisant, quoi. Bah. Ah, c'est parce que je fais une action. En fait, je crois qu'il faut pas que je fasse d'action. Faut que je cours, que je m'arrête, que je tire et après je la réanime. Je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse. Quasiment certain que c'est comme ça que ça fonctionne en fait. I'm gonna hard drive a few bullets in. 100% de dégâts et ça. Je sais pas lequel c'est le mieux.
Très bien. Et sur lui, très bien. Toi, tu nous fais un peu chier. Merde. Ah, t'es sérieux? C'est... Ah non, elle est pas morte, ça va. Merde, c'est Sentinelle qui est mort. Terre, terre. Vas-y, fais-moi rire. Nickel. Oh, on a gagné. Hop là, destruction. Eh ben. J'avoue que la première fois c'est mieux passé. Parce que là, du coup, on est tombé sur elle qui était pas très utile. Honnêtement, je commence à regretter d'avoir mis du poison sur son lance-lame. Mais bon, c'est parce que on n'a pas eu de chance, en fait. C'est juste parce qu'on n'a pas eu de chance. Attends, mais hémorragie interne. Pardon. Hémorragie interne. Allez, vas-y, fais-moi rêver, dis-moi que ça valait le coup. Substance rose. Objet clé de mission. Cette masse germe, je l'ai rose, frémit parfois toute seule. Elle est dégoûtante, vraiment dégoûtante. Bolter à plasma, fusil d'assaut 19. Ah! Tarbat High-Tech lance des globes de plasma hyper concentré, une sorte de soleil à pulte. Ah, catapulte, ok. D'accord. Donc. Ok. Ce sera sûrement mieux que ça. Ouh, c'est stylé. Ouais, je pense que ce sera sûrement mieux quand même. Ça aussi on n'a pas pris. Il y a deux coffres même. Gantelet électrique. Non mais c'est ce qu'il utilise l'autre je crois. 209 dollars c'est bien. 230 écrous c'est bien. On a une... Oh ça c'est pas mal. Armure 10 c'est bien. Là on a... Liaison de plasma, je crois qu'on l'a déjà. Ou pas. Ah non, liaison de plasma, c'est pour en créer.
Alors, convertir les dégâts en dégâts d'énergie. Donc cool. Ah ça, non, ça c'est vachement bien en fait du coup. Donc je peux mettre le lance-flamme en énergie si je veux. Et on peut le craft 2500 de ferraille. 2500 de ferraille. D'accord. Donc ouais. C'est pas vraiment des trucs. Comme j'ai dit, hein, là ce qu'on met sous le canon, c'est pas des choses qu'on met à la légère. Hein. Genre là on a mis le poison parce que c'était 300 et quelques pour le faire, c'est bien. Mais genre celui-là, non, on va pas le balancer. Du coup apparemment c'est 3000 et quelques pour faire. Celui-là explosif on peut pas. Après on a un autre là, je sais plus ce que c'est. Là le plasma, non pas le plasma, le napalm. C'est 900 ou un truc comme ça pour faire. Donc ouais. Ah ben putain. Je m'attendais pas à ça. On a bien fait. Ça valait le coup, ça valait le coup. Même si ça, on a pris cher. On a utilisé beaucoup de munitions et à énergie en fait au final. Truc là. Passer la nuit, fouiller l'endroit. Crochetage, let's go. Oh, let's go! Ok, donc ça, j'imagine que ça défendait ça. Le scorpion. Pas mal. Ça, on commence à être sympa hein, pour détruire les scorpions. This is an attack warning. Repeat. This is an attack warning. A nuclear attack is now underway. Proceed to the nearest civil defense shelter immediately. This is not a drill. Stay tuned to this frequency for additional updates and instructions. This message will repeat. Je regarde s'il n'y a pas des trucs que genre je verrais pas à l'œil. Mine de telture. Pourquoi? Il y a la carte, je crois que la carte bug. Hein. Genre maintenant j'ai un icône de mine sur moi. Quoi ce merde? Ah, de toute façon on va rentrer à la caserne. On va rentrer à la caserne et on va se reposer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai envie de changer de perso un peu aussi. See if we can find what you want. On est 4700, putain. On a rien de nouveau, hein. On est d'accord. Hein. Parce que j'ai envie de chercher des trucs. Mais... C'est vrai qu'on peut maintenir aussi. Rangers. Ouais, pousse-toi. What do you need, Rangers? Ah oui. Have a seat. Notre clone. Fine. Just don't get shot up. Hi, Rangers. It's good to see you again. What can I do for you? Thanks, Rangers. Ah, l'objet de quête, c'était pas le clone. You want me to make another clone? Is that a good idea?
Oui. I suppose there's no harm in trying again. I suppose. Substance rose. Let's go. Nouveau clone, vas-y, vas-y. Je me demande s'il a perdu ses niveaux. Ou alors il est basé sur le niveau... Oh, je pense que c'est comme le doyen, il est basé sur le niveau de l'équipe. Je pense que... Ok. Ouais, non, ça va, c'est bon. C'est un bon clone, c'est un bon clone. Ah, il est bien, il est bien, lui. Welcome back, Rangers. What can I do for you? Happy to. Take a look. Très bon clone. On n'a pas d'objet de mêlée. Non, de bagarre. À énergie, hein, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. On n'a pas quoi. Non. Rangers. Un truc que je voudrais faire peut-être à Zeus, parce que lui il a déjà des trousses de réparation, parce qu'il répare les choses, et il a des tourelles de combat. À la limite, on lui a mis ça. Faudrait mettre des tourelles aussi laser. Des tourelles laser. Je crois que ça serait bien. Attends, on a survie, on a un livre de survie ou pas? Non, on a fusil de précision. Alors, fusil de précision et charmeur d'animal. Moi je veux faire la survie hein. Parce que après on a ça. Ouais, je veux faire ça. Alors non, on va garder le poids. Bien, fusil de précision, on pourrait le mettre à 30, mais on va pas le faire parce que je veux le garder pour Fury. Je crois qu'on va simplement attendre qu'on ait 6. Et là, on a 2 points. De pour max, modification et survie. La survie, oui, peut être intéressante, comme j'avais dit. Il nous faudrait survie là. On va attendre aussi. Maintenant, je voudrais. Il y en a du monde, c'est bien. On va prendre Kwon un peu. Non, je sais pas. On va prendre Kwon et après on va se balader. Oh là là, vous allez me saouler ça encore. Après le mec mêlé, honnêtement, j'aime bien. Hein. J'aime bien le mec mêlé. Hein. I've never had a speech impediment. You're confusing me with somebody else. Ah, come on, Lex, I know you. Leave me alone, or I'll tear your liver out. Wow. You're letting the refugees stay after they made trouble. You're making yourself look weak to your troops. Now what do you want? Oh.
Vous aimez notre QG? Well, my wounds are healing, and the beds are soft. But I don't trust comfort. Comfort makes you weak. Okay. Comfort turns you from your path. I need to leave this place soon. Okay. I won't seize my destiny by getting fat on your food. So yes, I'm ready. Putain, qu'est-ce que c'est? Mec, jamais content quoi, c'est ouf. Alors, on a arme automatique, on a l'HQ au max. On va mettre gros dur du coup. Et avantage, on en a un. Et je crois qu'il n'y a rien qui nous intéresse vraiment. À la limite, oui, vu qu'il a. On peut mettre le 911. Comme ça, il se déplace, mais bon, pas vraiment utile en fait. Il y a déjà 3 poches, je crois. Sans effet de statue et celle de chair. Par contre, en arme, t'as peut-être mieux 31-36. Non, on n'a pas de M19. On n'a pas mieux. Fusée impulsion, ça aussi c'est bien. on n'a pas mieux. Attends, c'était quoi l'arme qu'on avait récupérée? On avait récupéré une arme sur le scorpion, non? Je me rappelle plus. J'ai oublié quoi, matraque électrique. Je sais qu'on avait récupéré des gantelets, plusieurs gantelets. Des armes laser. Science étrange, non? Bah, je sais plus. Bah, ça devait pas être. Ça devait pas être transcendant du coup. Ah si, 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 c'est ça. Oui, on lui a mis. Pardon, j'avais complètement oublié. On lui avait mis. Ouais. On va les laisser comme ça, eux, par contre. En armure, je suis quasiment sûr qu'on peut faire un tout petit peu mieux. Alors lui, on va lui laisser ça, parce que ça fait de l'électrocasse, là ça fait des charges électriques pour l'utilisateur, ça peut être utile. Vu qu'il va en mêler, là il a 13, là il a 11. En armure, on n'a pas mieux en torse. Hein. On n'a pas mieux, je crois, non. Donc du coup, on peut l'augmenter, on met ça. Voilà. Il n'y a que ça, ça baisse un peu le casse, ça baisse un peu sa défense, on pourrait lui mettre 7. Voir, on pourrait lui mettre 8, résistance au froid. Ou ça, résistance un peu à tout. Alors, on pourrait lui mettre des trucs, mais j'aime bien l'électrocasque en fait. Le coup de l'électrocution. Parce qu'appliquer électrocution, c'est bien, ça fait baisser les HP. Et après, nous, c'est des gants électriques, ouais. Niveau 21, ouais, on n'a pas mieux. Après, on a celui-là qui fait saignement. Donc, on peut faire ça. Mais le gant est mieux, je crois. Enfin, oui, non, le gant est mieux de toute façon, mais c'est pour dire, comme ça, on a deux types d'armes différents. Je sais pas. Ça peut être utile. Vitesse, force. Point d'action. Esquive, initiative. On va augmenter la vitesse pour le moment. La bagarre au max. Science étrange. Mécanique. Commandement. On peut même mettre commandement au max lui aussi. Il a 0 points. Science et trans, pas intéressant. Le commandement, on a le rassemblement qui peut être utile. Mais bon, ça sera, de toute façon, ça sera plus tard parce qu'on peut pas. Mes compétences, je sais pas. On a 12 points, je sais pas quoi lui mettre. Un truc qui peut aider tout le monde ou alors lui. Genre résistance aux explosions, ça peut être intéressant.
Les dégâts énergie feu froid, bah oui, mais lui il en fait pas. Le commandement. Oui, lui le commandant ça peut être utile. Parce que si. Imaginons que c'est un. Oui, lui c'est un mêlée pur et dur. C'est pas un soin lui. Donc du coup en théorie il a plus de chances de tuer. Donc il y a plus de chances qu'il mette des buffs. Donc ça on pourrait l'augmenter. Puis en plus il peut soigner normalement. J'ai même envie de lui mettre genre premier soin. Ah oui mais non on n'a pas d'avantage de toute façon. Genre premier soin et le truc de 1 de plus de vitesse là. Il y a la survie qui peut être intéressant. Mécanique aussi pour bah, les robots, véhicules. Charmeur d'animal, ouais, aussi, oui, pourquoi pas. On va avoir un animal. Je sais pas trop. Lui, on a commencé à lui mettre gros dur, donc on va pas changer. J'avoue que lui, faudrait le rendre encore plus puissant. Je pense que là, niveau 6, ça va. Explosif, ça va aussi. À la limite, la mécanique pour faire plus de dégâts contre les robots, ça peut être mieux. Mais après, je vois pas trop. On peut lui mettre charmeur d'animal, genre niveau 1, comme ça, il a un truc avec lui. Ça lui fait un bonus. Perception, initiative. Non. Non, pas intéressant. Crochetage, non. Il y a la survie. Hein. La survie niveau 5. La mécanique niveau 5. Parce que là, on n'a plus besoin d'habilités vraiment autres, de compétences autres pour genre se balader. Là, on lui met vraiment des trucs pour le combat, donc survie, donc voilà, il a dégâts contre les animaux et mutants en plus. Mécanique, pareil, donc il a 15 partout en fait, déjà. Et pour le commandement, quand on tuera, bah, en théorie, on aura des buffs. Enfin, voilà, après, il faut tuer un certain nombre de fois pour faire carnage, je crois que c'est 2 fois, et après, on peut tuer un boss, et voilà quoi, ça c'est bien. La science étrange, ça peut être intéressant, mais il fait pas énergie, feu ou froid. Et puis de toute façon, pour le moment, on n'a pas besoin d'avoir plus que ça pour ça, là, exosquelette. Donc pour le moment, le monsieur, il reste comme ça. Ah oui, du coup, toi... oui, parce qu'on a peut-être mieux, comme j'ai dit. Donc là, t'as armure 5, résistance effet statut. Là, on a armure 6, 8, pardon. Ah, armure, coussinet aramite, il y a 7. Fais voir, il y a combien là. Il y a 7 aussi. Là, on a 8. Hop. Et les jambes, on a 3. On a nettement mieux, non? Trooper. Voilà, tank. Voilà, 32 d'armure en tout. C'est un peu mieux. Et puis ça, 31, 36, c'est très bon. Fusil d'assaut, puis le 5,56, on n'en a pas. Attends qu'on a plein de 5,56. Voilà. I sympathize with the refugees, but if they stay, somebody's gonna kill somebody.
Très bien. Je vais arrêter de penser au lance-flammes parce que je me dis que c'était une erreur. Mais ça, c'est parce qu'on a combattu que des robots. Et du coup, bah, elle devient un peu inutile, Thunder. Elle est bon à tanker, Thunder, du coup. J'avoue. Mais quand on aura des robots, il faudra lui mettre un truc. Hein. Je sais pas. Genre lance-flammes, ouais, ça c'est humain, animaux, mutants. Genre une sorte de lance-flamme et énergie. Ouais, il faudra prendre un lance-flamme et on le mettra en énergie, en fait. Ça c'est... Non. J'ai l'impression que ça serait le mieux, en fait. Transformer en énergie. Ou alors, ouais, on met la lance d'argon, mais c'est pas... C'est pas puissant, au final. Hein. C'est vraiment pas puissant et ça consomme des munitions. C'est un truc de fou. Hein. Donc honnêtement, c'est pas le top. Hein. Je suis assez déçu. Hein. Je suis assez déçu de ça, là. J'ai vraiment l'impression que c'est de la merde. Il nous faudrait un autre truc. Il nous faudrait une sorte de canon ou je sais pas quoi. Ah, je suis très déçu de ça. Après, c'est niveau 12, hein, mais putain. C'est joli. J'ai envie de dire, c'est juste beau quoi. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais sorti mon arme. C'est juste beau. On va sauvegarder et après on ira donc à la. Genre faire ça là. Genre la guerre des mondes. Voilà. On ira là. C'est en haut de la map donc on ira se balader. Donc ouais, mais voilà, on tue encore des scorpions qui sont un peu plus haut niveau que notre équipe. Donc pour le moment ça se passe toujours bien. Parce qu'on a vu, il faut genre niveau 10 et tout pour pirater les choses. Donc on... Et puis leur défense, elle est nettement plus élevée encore. Donc on est bon. On est bon. On tue quand même, il a 45. Cordite, c'est pas mal. On tue encore des trucs qui sont plus haut niveau que nous, hein. On se débrouille très bien. Donc voilà, on a du très bon matos, nos persos sont honnêtement bien, bien montés. J'ai envie de dire, bien entraînés et tout ça, ils ont des bonnes stats et tout. Donc ouais, ça se passe. À la prochaine, ciao ciao.